Bienvenue au Blackburn Podcast. Quand on parle de transsexualité, on pense tout de suite à des hommes qui deviennent des femmes, mais cette fois-ci, ce sont deux femmes qui sont devenues des hommes. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter Patrick Verret, qui est l'auteur de ce merveilleux livre qui s'intitule « Changer de sexe pour vivre enfin ». Et le sujet, j'aime beaucoup le sous-titre aussi, « Le long combat de Manon devenu Patrick ». Et nous avons également avec nous Nathaniel de l'Étoile, qui lui aussi est transsexuel. Alors, sans plus tarder, soyez les bienvenus, messieurs. Je suis vraiment extrêmement content de vous rencontrer. J'aimerais te dire tout de suite, Patrick, par rapport à la transsexualité. Moi, j'ai toujours accepté ça. D'ailleurs, j'ai un ami qui est devenu transsexuel en 77. J'ai toujours accepté ça, mais sans vraiment le comprendre. Ce que j'ai trouvé intéressant en lisant ton livre, c'est que même si j'acceptais la transsexualité, je ne la comprenais pas. Et ton livre m'a permis de comprendre quel est le cheminement d'une femme qui veut devenir un homme et de trouver ça à la fois non seulement intéressant, mais naturel aussi. J'ai trouvé... C'est un compliment, merci. Oui, naturel, vraiment. Ça m'a ouvert complètement. Maintenant, je ne verrai plus jamais la transsexualité de la même façon. Alors, ma grande question, puisque vous avez été femme et que maintenant vous êtes des hommes, qu'est-ce qu'un homme et qu'est-ce qu'une femme, en fait? Quelle est la différence entre les deux? Vous qui avez vécu les deux. Bien, c'est sûr, dans notre cas, quand on a à passer à travers une situation comme ça, on va aller droit au but, c'est le sexe, hein? c'est le physique, c'est le corps. C'est plus à ce niveau-là. Ensuite de ça, c'est sûr, la mentalité, la vision de voir les choses, la mentalité. Mais qu'est-ce qui fait qu'un homme est un homme? Qu'est-ce qui fait qu'une femme est une femme? C'est pas juste l'organe sexuel. C'est quoi la différence homme-femme quand t'es jeune? T'as sais pas la différence, tu le vis naturellement. Si les parents qui disent t'es un petit gars ou t'es une petite fille... C'est tout au long de la vie que tu apprends la différence entre homme et femme, puis encore là, c'est délicat. Donc, ça serait plus culturel qu'autre chose, la féminité et la masculinité, c'est ça? C'est sûr que les désirs, les goûts, si on parle sur ce point de vue-là, c'est naturel. Moi, je sais bien que jeune, en partant, si on parle de stéréotype garçon et fille, c'est sûr que c'était comme naturel de jouer avec mes petits G.I. Joe, mes camions, mes fusils, c'était naturel. De vouloir être habillé en petit garçon, c'était naturel. C'était interdit dans mon cas, mais c'était naturel. De parler au masculin, c'était naturel. Puis c'était comme pour moi, je me disais, j'étais un garçon infirme. Mais c'est la vie qui te fait montrer, à un moment donné, tes goûts et tes différences. C'est ce sens-là. Oui, il y en a des différences. Je les ai vues, les différences. Mais encore là, c'est délicat, parce que... Quelles sont-elles, ces différences? Ben, les différences, ce sens encore là, si on parle que les enfants s'amusent. Moi, j'ai vu des enfants s'amuser, des petites filles que j'ai connues jouer avec des trucks, puis des Tonka, puis même après ça, être sur une ferme, puis les tracteurs, puis... Mais ils n'ont jamais voulu changer de sexe. Non. Ou ça n'a pas fait des femmes qui aiment les femmes. Comme j'ai vu des hommes extrêmement efféminés puis qui n'étaient pas homosexuels puis qui aimaient les femmes. C'est pour ça que je dis que c'est dur à déterminer homme-femme. Parce que moi, si on prend l'exemple, parce que je suis un homme, j'ai beaucoup de goûts raffinés. Mais on va mettre ça à mon passé. On va dire, ah ben oui, Patrick, c'est normal. Qu'il y a des, ça, c'est les goûts féminins qu'il a gardés quand il était femme. Il y a des goûts de femme. C'est un préjugé total. Un préjugé total. Tu sais, puis aujourd'hui, si on se fie à mon image, c'est sûr que j'ai l'air bien macho. Puis regarde, moi, là, je suis comme le petit toutou que tu pèles sa queue puis il va se mettre à japper, là. Je mords pas pantoute, là. Je jappe en Calvinus, mais je mords pas. Fait qu'encore là, tu sais, c'est quoi l'image? Moi, là, OK, je suis pas le gars, j'aime pas ça partir à un barbecue. Je suis-tu moins mal parce que j'aime pas partir à un barbecue? Je suis-tu moins mal parce que j'aime pas m'asseoir puis écouter le hockey? Jeune, là, je voulais jouer au hockey. Le football, le baseball, c'était toutes mes passions.
mais c'est interdit. On parle de l'enfance. Ouais. Et moi, je me dis, malgré l'innocence que de l'enfant, l'enfant est quand même sexué, ouais. Tu sais. Alors, et puis dans ton livre, dans la partie ouais. de l'enfance aussi, tu sais, la façon dont tu en parles, on voit vraiment la sexualité sexualité de Manon est très présente. J'en parle ouvertement. C'est pas mais même dans l'enfance. Oui, même dans l'enfance, parce que c'est parti très jeune. Parce que moi, j'ai toujours eu, jusqu'à temps que je change de sexe, un dédain incroyable à mon sexe. Mais un dédain, là, même une phobie. Là. De là, ouais, mal au cœur. Mais j'ai toujours eu des sensations fortes. Quel genre de sensations? Quand j'étais petit, puis c'était interdit de me toucher. Mais comme j'ai expliqué, j'ai trouvé des façons que je pouvais avoir, atteindre mon orgasme, que je savais pas c'était ça à l'époque. Enfant, oui. J'ai commencé comme très jeune à jouer au docteur avec les petites filles, puis explorer, là. Puis les garçons, ça m'intéressait pas. Pas encore là, j'avais pas la notion. Aux petits gars, aux petites filles, tu te poses pas ces questions-là là, quand t'as 5 ans. Non, parce que t'es dans l'innocence en même temps. L'innocence totale, là. Les attirances, j'avais des attirances, que c'était fort. Puis ma sexualité, déjà jeune, c'était très, 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 très fort. Et toi, Nathaniel? Pas ce niveau-là, non. Moi, ça s'est plus joué dans la tête. Au niveau, la façon d'agir, la façon d'habiller, la façon de tout faire, ça me revenait tout le temps parce que je savais très bien que j'étais pas une petite fille. Tu sais, ça, c'était écrit dans le ciel, c'était présent, c'était là. Ma mère m'a mis au monde. Je fais toujours la comparaison, quelqu'un qui va naître, qui manque un bras, qui manque une jambe. Je suis né puis il manquait les bons organes là, tu sais, il manquait quelque chose. Fait qu'à ce niveau-là, quand j'étais enfant, t'en avais la certitude. Ah, c'était définitif. Puis ça, c'est depuis que j'étais jeune. Du moment que j'ai commencé à prendre conscience. Exemple, ma mère la première fois m'enlève la couche, puis on va commencer à t'apprendre à aller aux toilettes. Par instinct, ça a été de le faire debout. Et là, claque en arrière de la tête, voyons, c'est pas de même qu'on va faire ça. Les postures, soient plus féminines. Non, mes postures sont comme ça, là. Je suis comme ça, je peux pas faire différemment. C'est pas une game que je joue, puis je veux pas être comme mon ami Sébastien qui joue au baseball, puis qui joue au camion avec son père. Je veux pas être comme lui, je suis comme ça. Donc, ça a été comme ça au niveau de l'enfance, tout le temps, là. Tu sais que t'es différent. Tu sais que t'es un petit gars différent. Ouais. En plus, vous étiez des petits gars hétérosexuels. Oui, voilà. Ouais, et vous l'êtes toujours. Ben oui, et exactement. Oui. D'ailleurs, quand je vous regarde, de toute façon, je pense même pas... J'arrive même pas à vous imaginer en femme. Pas du tout. C'est quelque chose... Vous êtes des morts. C'est quelque chose que je suis... Oui, puis quelque chose que je suis tellement fier, tellement heureux. Aujourd'hui, comme dernièrement, tu vois, j'avais fait de la figuration. Puis j'ai attendu à la fin de la semaine... pour parler aux gars de... Je suis sûr que j'ai un livre à vendre. Hein. Mais les gars, quand je les ai dit que j'ai changé de sexe, personne ne croyait. Quand ils ont vu les photos, ils ont tous tombé à terre. Même moi, quand je regarde, puis quand les gars, puis le monde dit « c'est impossible », je suis content de la réaction, parce que dans le temps de Manon, quand Manon disait « j'étais un homme dans mon cœur, dans mon âme, à l'intérieur, mais elle avait un corps de catin, une face féminine, un visage, tu sais, la voix, tout. Il n'y a rien qui pouvait détecter le monde. C'était, hey, tu une petite folle. Elle est malade, ouais. Tu sais. C'était, j'ai passé, là, tu sais, Manon a passé pour une débile tout au long de sa vie. Puis aujourd'hui, je suis tellement content que les gens y croient pas. Mais d'un sens, aussi, t'es content, en tout cas, je parle pour moi, je suis content que ça paraisse pas, puis je suis content que vous me le disiez, parce que du moment que tu commences à entreprendre ton processus d'hormones, puis que là, les hormones font la game, t'es comme entre deux, hein, c'est comme t'es gars, mais t'es fille, puis là, t'es pas sûr de qu'est-ce que les gens perçoivent. Et là, t'as l'impression que partout où tu vas, c'est écrit dans ton front, je suis en changement de sexe. Puis t'as l'impression que c'est marqué là. Puis c'est une mentalité, je sais pas pour toi, mais qui graisse en dedans de toi, puis que t'es tout le temps sur les nerfs, t'as tout le temps... J'avais peur d'aller dans le monde. J'haïs ça, le monde. C'était pas compliqué. J'étais seul le monde à ce niveau-là à cause de ça. Il est ça même, là. Je sais ce que tu veux dire, le feeling. C'est parce que
c'est nous qui le vivons, c'est qu'on a toujours peur que quelqu'un découvre qui on était, même si physiquement, ça c'est avant que, parce que quand t'es entre deux, premièrement, t'as la merde, là, que tu peux pas aller aux toilettes des filles, tu peux pas aller aux toilettes des gars. Tu viens pour échanger, je me souviens quand je suis venu pour échanger ma paye, la première fois que là, c'était vraiment ambigu. Puis là, ben non, monsieur Véran, on peut pas échanger votre paye, c'est la paye de votre femme. Là, j'y explique tout. Non, non. Regarde, elle. Les noms, elle, c'est moi. Moi, je suis Patrick, puis Manon, mais Manon, c'est Patrick, on est la même personne. Je suis en processus de changement. C'était. Hein? Je comprends rien. Non, on peut pas. Faut t'expliquer tout, puis comprendre mais rien. Mais pour toi, Patrick, tu sais, t'as eu ton opération à 38-39 ans. Ouais. Donc, ta vie était bien amorcée déjà. Ouais. Mais toi, dans ton cas, Nathaniel, t'as eu l'opération à quel âge? J'ai commencé mes démarches, ça fait 6 ans de ça. Donc là, aujourd'hui, j'ai 25 ans, toutes mes opérations sont finies. Du moment que la paperasse a été finie, ça va faire à peu près 3 ans que j'ai eu toutes mes opérations. J'avais à peu près 22, 23 ans. Là, que... Donc, tu as commencé ta vie d'adulte en tant qu'homme. Oui. Ouais. Ça a été moins difficile peut-être pour Patrick à ce niveau-là. Oui, c'est sûr. C'est deux générations différentes. Hein. Donc, si on voit la mentalité d'avant, la mentalité d'aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a eu des coups plus durs. Sauf, comme que je dis tout le temps, peu importe la génération, peu importe la situation, quand tu as à le vivre, là, c'est aussi dur. Tu vis d'autres choses à l'extérieur, tu as une vie à l'extérieur de ça. Tu as d'autres problèmes aussi dans ta vie. Là, côté familial, ça a été super dur, pas par rapport à ma situation, mais j'ai eu beaucoup de problèmes dans ma vie. Tu as 56 000 choses à gérer. Fait, peu importe l'histoire de la personne qui va dire que mes parents l'ont accepté, la vie en général m'a accepté, ouais, c'est une histoire dure pareil. Ouais, ben parlons-en donc un peu, parce que quand je vous regarde tous les deux, tu sais, je vois deux hommes heureux, bien dans leur peau, qui ont une vie qu'on pourrait qualifier de normale, même si c'est pas vraiment le mot, mais une vraie vie. Aujourd'hui, une bonne vie. Ouais. Mais il y a dû y avoir beaucoup de douleurs derrière tout ça, avant le changement et tout ça, avant que vous puissiez vraiment intégrer votre sexe que vous perceviez comme naturel. Moi, écoute, je sais pas. Pour chacun, c'est différent. Moi, je sais bien que où ce que je peux dire que j'ai commencé à vivre enfin, c'était vraiment le 3 mars 97, à ma renaissance, lorsque j'ai eu la phalloplastie, qui est la construction du phallus, le sexe masculin au complet. Le matin, je me suis réveillé, je me suis dit. J'ai eu le bonheur d'avoir une renaissance. En plus, que bon, c'est moi qui ai choisi mon prénom, tout ça. Puis je me suis dit, la vie commence pour moi. Pour ça que dans mon cœur, en ce moment, ça fait 17 ans que je suis opéré. J'ai juste 17 ans. C'est comme ça que je me sens. Donc, ouais. T'sais, j'ai plein de rêves. Là. C'est sûr que lorsque j'ai écrit mon livre, la première fois que j'ai écrit mon livre, c'était pour moi. Pour faire ma thérapie pour moi et laisser une référence, quelque chose qui sert d'information, d'éducation. Je me dis, toutes les écoles, toutes les universités, c'est pas compliqué, tout ce qui est gouvernemental devrait avoir ça, parce que ça parle de marginalité, pas juste de changement de sexe. Comme Nathaniel disait, tout le monde, on a tous nos problèmes, mais nous, en plus, qu'on a dû se battre contre Madame Nature. Mais on a nos problèmes comme tout le monde à affronter. Hein. Dans la dans vie. Le quotidien. Mais dans quand la on vie, parle avant la transformation physique. Ça, c'est le plus pénible. Ça, c'est le plus pénible. Ah, ouais. Moi, je sais bien que dans mon cas, j'étais seul au monde. Vraiment, quand tu dis seul au monde, que j'en avais pas d'aide, pas d'appui. Même la veille de l'opération, ma mère pleurait comme un enfant puis demandait de pas me faire opérer. Là. Puis j'avais cette allure-là. Là. Puis moi, c'était impensable. Je ne voulais pas mourir. Le matin, je me suis réveillé de mon opération. Là. J'ai eu une pensée pour mon père. Là. Puis j'ai pleuré pendant 2 jours de temps. Premièrement, pas capable de pleurer. Pas capable d'arrêter de pleurer, mais pleurer de joie. Les infirmières étaient découragées. « Monsieur Verret, il faut vous dormir, ça n'a pas d'allure. » J'avais peur de dormir puis de me réveiller comme avant. Puis dès les premières secondes, je me suis réveillé, j'ai pensé à mon père. J'ai dit « Papa, tu sais, je ne veux plus mourir maintenant. Tu sais. » Mais je suis prête. Fait que c'était pas sexuel.
Il y a une psychologue qui m'avait suivi dans le temps où ce que j'étais. Elle avait même, j'avais entendu dire après qu'elle avait dit, ah oh oui, j'ai entendu parler qu'il s'est fait opérer, qu'il avait phalloplastie. Elle a dit, oh, c'est asexuel son histoire. Et je savais même pas si c'était pour fonctionner. Moi, j'étais le 12e opéré. Je savais pas dans quoi je m'embarquais. Donc, même au moment de l'opération, il a fallu que tu te battes contre la société. Jusqu'à la dernière minute. Puis après ça, je me disais, mon Dieu, la vie va s'ouvrir à moi, les portes vont s'ouvrir. Après ça, 8 mois après, je rencontre la femme de mes rêves. Je me dis, ah, mon Dieu, enfin, la vie, ça va être merveilleux. Parce que t'as beaucoup souffert avant. Ben oui, mais là, la surprise, j'ai pogné 16 ans et demi de merde. Des opérations, des batailles avec ma femme. Je recommence seulement depuis quelques mois à vivre. Ah ouais? Ouais, ça fait juste quelques mois. J'ai eu 31 opérations à travers tout ça. Est-ce qu'on peut dire que tous ces conflits-là t'ont fait grandir beaucoup? Énormément. Puis pas juste ça, grandir. Puis j'ai une force que moi, personne ne va m'empêcher d'aller au bout de mes rêves. On n'est jamais trop vieux pour réaliser, pour se réaliser. Nathaniel, on voit que pour Patrick, ça a été difficile de se faire accepter comme homme. Parce que c'est une époque qui est antérieure à la tienne. C'était très catholique au Québec, dans sa famille aussi. Mais pour toi, ça s'est passé comment? Parce que t'es beaucoup plus jeune, t'as 25 ans, t'as commencé tes démarches à 19 ans. Est-ce que notre époque était plus ouverte que l'époque dans laquelle Patrick a grandi? C'est sûr que probablement, c'est sûr qu'il y a eu un changement, qu'il y a eu une certaine évolution au niveau de la société, on se le cachera pas. De là à dire qu'il y en a une énorme, je pense qu'il reste beaucoup de travail à faire encore. C'est ça que je dis tout le temps aux gens. On fait juste parler de l'homosexualité dans la société. Et on a déjà des fois des problèmes à avaler la pilule avec ça. Là, on arrive, nous, avec les transsexuels. Bien souvent, ça m'attend quelqu'un qui va aller chercher de la documentation, dire, ben, je vais faire un effort, je vais aller m'informer. C'est pas du tout qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qui est sur Internet, puis les trucs comme ça, là. Ça n'a aucun rapport, là. Toi aussi, Patrick, tu pourrais le dire, là. Va sur Internet, tape transsexuel, c'est de la pornographie qui va sortir. Est-ce que je suis ça? Pas en tout, loin de là. Donc, au niveau de la société, c'est l'image qu'on a aussi. Puis c'est dur aussi parce que, bon les lois, ils ont fait en sorte que ça nous aide un petit peu plus avec la dent. Mais tu t'en vas à la clinique, tu as ta carte de RAMQ, c'est ton ancien nom qui est inscrit dessus, tu es dans la salle d'attente. Excuse, madame, tu peux juste m'appeler par ce nom-là, tu sais, je suis en processus de, puis tout. Non, ton nom est marqué là, fait que, toi, dans le fond, tes hormones sont faites, t'as de la barbe, t'as de l'air d'un gars, tu trouves une fille super belle dans la salle d'attente, puis là, tu te fais appeler par ton ancien nom, tu regardes la fille, t'es comme, tu t'en vas à ton rendez-vous, tu sais, c'est des trucs comme ça que, tu sais, dit comme ça, ok, aujourd'hui, on en rit. Mais à tous les jours, vivre des trucs comme ça, puis tout le temps, un mur qui fait que la société est contre toi et non avec toi, t'as aucune aide de personne, et personne qui va faire, hey, sérieux, là, je te lève mon chapeau, là. Les gens comme ça qui vont te le dire, là, c'est comme une fois sur 100. Donc, t'as beaucoup souffert de tout ça. On souffre beaucoup de la société, honnêtement. La société, oui, moi, côté famille, ça a super bien été. J'ai une famille, je viens d'une famille que l'ouverture d'esprit est importante, que de parler, de s'exprimer, c'est important. J'ai une famille. Respect aussi, tu veux dire. Oui. L'ouverture d'esprit. Non, mais je parle, tu sais, dans le sens que peu importe comment t'es, on va t'aimer puis on va t'appuyer. Tu vas aller te péter le nez sur quelque chose parce que t'as pris une mauvaise décision, ben c'est ton problème. Tu peux m'en parler, mais gère avec qu'est-ce qui arrive, tu sais. Fait que j'ai une famille comme ça. Donc, à ce niveau-là, ça a été quand même assez facile pour moi. Même si j'ai des frères, des sœurs, ça a été mais facile. Mais étais-tu obligé de t'habiller en fille comme Patrick quand t'étais petit? Ma mère me laissait pas mal aller là-dessus. C'est sûr qu'il y a un barème d'âge, je vous dirais peut-être de 0 à 10 ans, là, hein. C'est comme la maman qui a le monopole sous l'habillement puis qui choisit et tout, hein. La super première communion, ces trucs-là, la mère est bien contente. En tout cas, moi, ça partait, la couette, la tresse puis ça finissait en casquette puis, essayer de cacher mes cheveux le plus possible, tu sais. Donc, oui, elle a eu le contrôle là-dessus, mais quand j'ai commencé à choisir mon linge, elle me laissait aller, tu sais. Elle me disait, bon, qu'est-ce que je fais à ça? C'est bien comme ça, tu sais. Était pas, elle m'obligeait pas. Étais-tu plus féminin avant? Pas en tout. Et mon Dieu Seigneur. Et non. Je pense que la première fois que je marchais avec des talons hauts, c'était ma première communion, puis
j'en ai pété une sale coche d'être pogné comme ça cette journée-là, là. Ah non, 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 non. Vraiment pas. Jamais, jamais, jamais. Hey, du maquillage, n'importe quoi. Être avec des... Tu sais, je mettais quand même avec des filles pis des gars, tu sais. Pis, hey, on s'en va cruiser à soir. Ben, vas-y, tout seul, cruiser, moi. Ça m'intéresse pas pendant tout, là, tu sais. Fait que, ah oh, non, 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 non. Jamais. As-tu eu des copines du temps que t'étais encore une fille? J'en ai eu une, mais tu sais... Dis ben franchement, quand t'es pas bien avec toi-même, là, t'as pas le goût d'être bien avec personne d'autre. Premièrement, je m'aimais pas, j'acceptais pas le corps que j'avais, tu sais, parce que moi, dans ma tête, je voulais la creuser, mais en étant un gars, puis en étant en couple avec, elle, c'est une fille, moi, un gars, tu sais, c'est comme ça que c'était ma vision des choses. Oui, mais elle, est-ce qu'elle était ouverte au fait que tu sois une femme? Oui, oui, mais je voulais pas me faire étiqueter lesbienne. J'avais pas le goût d'avoir ce titre-là dans ma vie parce que j'étais pas ça. Moi, j'étais un gars qui aime les filles, qui a une petite vie comme monsieur, madame, tout le monde. Moi, je suis comme ça. C'est moi. Fait non, non, j'étais pas porté à avoir des copines, puis à sortir d'un bord puis de l'autre, puis quand même que, bon, la sexualité, les hormones dans le tapis, si, ça, ouais, mais pas de là à aller faire quelque chose parce que je m'acceptais pas partout, puis ça m'intéressait pas. Avais-tu une jouissance physique sexuelle comme femme? Non. Oh non. Non, j'ai rencontré la fille avec qui j'ai été, j'ai passé 6 ans avec elle. Ça a été pas mal, elle, ma vraie première. Il y a eu des travaux à faire, là, tu sais, pour que je puisse être capable, bon, de me laisser aller. Il y a eu un très grand respect. Elle a été, c'est elle qui m'a beaucoup aidé là-dedans, tu sais, à mettre peut-être moins de pression, y aller. Mais non, j'étais pas bien. Depuis 2 ans, là, j'ai mes opérations. Ah là, ça va bien. Là. Tu jouais? Ah là, je jouais de la vie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu jouais sexuellement aussi? Ah mais... oui! Ah oui, ça c'est sûr que sexuellement, c'est pas pareil. Là. Je me sens bien, je me sens moi-même. Je fais ce que je veux de la façon que je le veux, puis je me casse pas la tête à savoir je m'aime-tu, je m'aime-tu pas. Non, non, gars, je suis content. Je suis bien. Mais tu peux pas éjaculer, par exemple. Ah ben non! Ben là, pension alimentaire de moins, ça s'est oui, mais parle-nous donc, tu jouis comment? C'est ça qui m'intrigue. C'est sûr que c'est un petit peu difficile, tu sais. Je pense que deux filles vont parler, ils vont être capables de revenir au même point, mais c'est différent pour tout le monde. En tout cas, j'imagine. C'est sûr que, ben, comme je dis, la médecine, elle rentre en ligne de compte. Tu sais, bon, tout est conçu avec les nerfs, puis tout, de qu'est-ce qu'on avait avant. Sinon. C'est sûr qu'ils prennent la base qu'est-ce qu'il y avait avant. C'est ça. Mais tout dépend. Sauf aussi, que c'est différent du avant aujourd'hui. C'est très différent. Oui, mais c'est. Parce qu'il y a deux. On jouit de deux manières en même temps. C'est à la fois dans la tête et c'est à la fois dans le corps, tu sais, et dans les organes sexuels. Ben, c'est sûr que. Mais tu sais, comme femme, tu peux atteindre un orgasme. Comme homme, tu peux atteindre un orgasme. Mais toi, ton orgasme, il est fait de quoi? Moi, personnellement, dans ma tête, par rapport avec l'opération, il y a quelque chose qui est un petit peu plus mental aussi, parce que on est né d'une façon, le cerveau a été connecté à une façon pendant X temps. Aujourd'hui, avec l'opération, là, c'est de comprendre que c'est différent. T'sais, moi, je suis encore un petit peu dans l'adaptation à ce niveau-là, que mon cerveau, faut qu'il catch, faut qu'il comprenne que c'est plus comme avant. Physiquement et sexuellement, au niveau de ta génitalité, est-ce que ton orgasme en ce moment est comparable à celui que tu vivais quand tu étais ben une fille? Ben non, parce que justement, avec avant, j'ai été au strict minimum. Il n'y a pas eu plus que ça. Aujourd'hui, ben, c'est écœurant parce que je me sens bien dans de moi. Alors, ils gardent, quand ils construisent le phallus, ils gardent toutes les terminaisons nerveuses des organes sexuels de la fille. Et c'est ce qui te permet de jouir aussi. Oui. Oui, tout est conçu à partir de ça. Au niveau des nerfs, c'est comme des micro-chirurgiens aussi, hein. Donc, tout se fait à la base de l'ancien sexe. Ils utilisent tout. Pour la sensibilité, tu vois, moi, ma sexualité était différente. Parce que, comme j'expliquais, écoute, j'avais mal au cœur incroyable, là, mais j'ai découvert ma sexualité, j'avais 4-5 ans. Là. Fait que c'est devenu de plus en plus fort. Et même si j'aimais pas me toucher, je me touchais, c'était fort. Fait que c'était très long, par contre, avant d'atteindre, d'avoir une jouissance. Ça pouvait prendre même 2-3 heures. Là. Puis, lorsque j'ai eu mon pénis,
j'ai eu la surprise de ma vie, une fois que les guérisons, là, OK? Quand j'ai pris ça, puis en tout cas, ça n'a même pas pris une minute, là, quelques secondes. Qu'est-ce que c'est ça? Non, mais je pense, c'est sûr, là, fait que c'est une sexualité complètement, mais c'est... Écoute, on peut pas voir, là, j'en ai des frissons, là. C'était tellement fort, mais tellement fort. Fait que c'est sûr que lui, il a vécu la même chose. En tout cas, je... Ouais, probablement, oui. Probablement, sur le sens, même si on l'a exploré différemment. Ouais. Moi, si je parle, c'est sûr que moi, j'ai exploré tout. Fait que c'est sûr que quand que, bon, j'atteins maintenant ma jouissance, c'est comme extrêmement fort. Oui, parce que souvent, la sexualité, c'est ça considéré c'est pas, comme... C'est pas juste là, je le ressens non. Dans mon sexe, c'est pas juste dans la tête. C'est le désir. Là. Souvent, la sexualité, c'est le désir du sexe opposé ou du même sexe. Ouais. Et souvent aussi, la sexualité, c'est de la pénétration. Mm-hmm. Donc, c'est un acte de copulation. Ouais. Ouais. Mais en fait, la sexualité, c'est beaucoup plus grand. Ben, on oui. peut jouir de ben, tout oui. notre corps. Oui, exactement. Puis c'est pas tout le monde qui l'explore ben, comme non. ça. Puis dans notre cas, dans lui et moi, la première fois que j'ai exploré mon corps vraiment, c'était avec ma femme. Que j'ai pu dire, oui, touche-moi, puis explore-moi. Fait que même si j'ai eu toutes ces femmes-là avant, ben c'est sûr, ma femme, quand elle écrit le livre, c'était mon comme épouvantable, toutes les femmes que j'ai eues avant, mais ça faisait 8 mois, je l'avais connue seulement. Fait que j'avais pas cette aisance-là, même sexuellement. C'était, touche-moi pas là, puis fais pas ci, puis fais pas ça, puis t'es tellement limité. Fait que tu connais jamais vraiment c'est quoi la vraie passion, le vrai désir. Mais ce qui est intéressant, c'est que toi, tu refusais la jouissance en tant que femme, tandis que toi, tu l'explorais davantage. Ouais. Si la phalloplastie, qu'on appelle, n'existait pas, ou n'avait pas existé, que vous seriez pris dans un corps de femme, comment pouvez-vous même envisager votre vie maintenant? Je serais pas ici, moi. C'est en plein ce que je m'en ai Moi, je serais pas ici. Ça ferait longtemps que j'aurais été chez Rona me prendre une corde, là. Ah, ça, c'est sûr. Je m'aurais jamais vu passer une vie, toute ma vie, comme que j'étais avant. Jamais. Jamais, jamais. Non, il y a des limites. Parce que quand j'ai dit que j'étais, moi, presque 40 ans, là, c'est plus que la moitié de ta vie, quasiment. Oui, mais parle, donc, ce que vous me dites, c'est que vous auriez été 2 candidats au suicide. Je sais que toi, Patrick, t'en as fait des tentatives de suicide. Plusieurs. Toi, en as-tu fait? Oui, j'en ai fait. Toi aussi? Oui. Oh. Oui. Ouais, j'ai même fait mort clinique, réanimé. Puis quand tu dis que tu veux vraiment partir, là, c'est parce que c'est un profond désir. Comme c'est une passion. Là. Je suis un passionné de la vie. J'aime tout. J'aime tout de la vie. Puis en même temps, c'est un combat avec toi-même. C'est deux personnes, mais ces deux personnes-là, on est la même personne. C'est qu'on joue une image devant les autres. Mais ça vient comme plate de jouer ta comédie pendant toute une vie. Tu sais, à un moment donné, tu disais, j'aimerais ça, jouer moi, faire un rôle ben, par choix. Juste être moi, c'est ça. Pas être obligé de jouer une game quand j'appelle, je sais pas, pour régler un problème de facturation, quand il faut que je me présente à un bureau pour... Je suis obligé de tout le temps raconter ma vie. Tu sais, mettons, là, quelqu'un normal là, vient de se séparer. Bon, tu t'en vas quelque part. Tu es obligé de parler de ta séparation à petite madame qui est au comptoir de l'accueil. Non. Parler de ta séparation à tout le monde. Non, tu vis ton problème, tu le vis, tu le gardes en dedans de toi, ça finit là, ça vous regarde pas. Tu sais, bon, c'est comme ça dans la vie tous les jours. Mais avoir une situation comme ça, tu arrives dans la société, ben, tu es obligé de la dire. Parce que bon, eux autres, ils ont des principes, ils ont des façons de travailler. Bon, ils voient bien que ta mention du sexe n'est pas changée, que ton nom n'est pas changé. Ouais, mais là, t'as l'air d'un gars. Ouais, mais t'as une voix de fille. Ouais, mais là, c'est parce que... Puis là, tout le monde pose des questions, puis là, ça finit plus. Puis tu peux pas aller à une place dans ta... à quelque part sans que personne te remette d'en face que t'es pas normal, hein. Ouais, t'es en train de vivre ça. Fait qu'il y a tout le temps quelque chose qui arrive qui fait que c'est compliqué. Pas juste ça. Fait que moi, d'avoir pensé à passer ma vie comme ça, non merci. Dans le fond, c'est qu'on voulait juste être nous-mêmes, ce qu'on a toujours été. C'est que notre image projetait autre chose, mais nous, dans notre cœur, dans notre état d'âme, on a toujours été les mêmes, il n'y a rien qui a changé. Ouais, qu'est-ce qu'il faut que les gens comprennent aussi, c'est qu'à la base, tu nais, t'as cette façon-là dans la tête, t'as cette mentalité-là dans la tête. On s'en va se faire opérer juste pour avoir le bon physique, le bon corps. C'est ça. On s'en va pas se faire poser un cerveau de gars, là. Puis je vais dire, comme que je dis à tout le monde, c'est pas un trip, là. Si j'aurais pas eu à vivre tout ça, là, si j'avais le choix de pas avoir à vivre tous ces événements-là, puis il aurait existé une pilule pour dire, ben gars, prends ce médicament-là, ça va passer, tu penseras plus à ça, je l'aurais pris, la pilule, là. Mm-hmm. M'aurais pas tapé 8 anesthésies générales, puis des transfusions de sang à pu finir, puis être sur le bord de mourir à toutes les fois, puis
un stress, puis là, ben, t'es en arrêt de travail, t'as plus d'argent, t'as pas une assurance, t'es pas avec le chômage. Mais là, faut que tu continues à payer tes pansements, faut que tu payes tes médicaments, faut que tu payes tout ce que ça prend. Puis faut que tu payes ton loyer, faut que tu payes ta voiture, faut que tu comme monsieur et madame tout le monde, là, faut que tu payes tes taxes, faut que tu payes. Non, j'aurais décidé de pas le vivre. Là, si j'aurais pas eu à vivre ça, je l'aurais pas fait. Pas le choix. C'était comme ça, c'était comme ça. Puis les gens, quand on parle dans la vie de tous les jours aussi, ah, la RAMQ a déboursé le temps pour faire tant, puis là, hey, ça se peut-tu, là, moi, j'aimerais ça me faire les seins, puis le gouvernement paye pas, puis hey, j'aimerais ça. C'est pas nécessaire, un changement de sexe, c'est quand j'entends, c'est ouais. Leur choix. Hey, se faire soigner dans la tête. Ah ouais, c'est comme ça, quelqu'un qui vient au monde aveugle, puis il dit à l'aveugle, c'est ton choix. Puis que tu lui donnes la possibilité, maintenant, ça se fait des opérations qu'il peut se voir, il va-tu dire non? Puis celui qui vient au monde, qui a pas de jambes, à cette heure, il y a les prothèses, ils peuvent marcher, il va-tu dire non? Mais nous, la science nous a permis d'être nous-mêmes. Là, tu prends encore des hormones. Ça, c'est à vie. Ouais. Si tu pouvais plus prendre d'hormones, qu'est-ce qui arriverait avec ça? C'est la santé qui en prend un coup, mais le physique change pas, là. C'est ça. Là, le monde va te voir exactement pareil, mais non, mais tu dépéris, là. T'en as besoin, là. C'est sûr qu'on n'a plus aucun organe. Il n'y a plus rien qui produit. Il n'y a plus rien qui produit, c'est ça, là. Fait que, est-ce que ton opération a été difficile? Ouais. J'ai eu beaucoup de complications. Ça, je me suis rendu compte, je m'étais jamais fait opérer avant de commencer mes démarches. Puis, j'étais un seigneur. J'ai eu la mastectomie, ça a bien été. L'ablation des seins, ça a bien été comme opération, j'ai pas eu de problème. Ensuite de ça, j'ai eu l'hystérectomie, l'ablation des organes reproducteurs. Je suis tombé en hémorragie. Toutes mes opérations par la suite, je les ai toutes eues en double. Parce que je faisais tout le temps des hémorragies, transfusion de sang. Mes convalescences étaient vraiment plus longues. Après ma phalloplastie, je suis sorti de la maison de convalescence. Deux semaines après, j'étais chez nous, j'ai fait une grosse hémorragie, perdu pendant 6 heures que t'as mon sang. Puis là, après ça, quand je suis arrivé à l'hôpital, ben là, j'ai eu une sonde dans le ventre, parce que là, j'étais plus capable d'uriner. J'ai eu une sonde pendant 7 mois de temps. J'ai eu bien des complications à ce niveau-là. Avant, peut-être que j'ai pas eu autant de problèmes, mais pendant les opérations, là, ça a été compliqué. Mais là, ça s'est stabilisé. Là, ça va super bien. Mmh. J'en ris, je suis content. Mmh. Puis ça fait partie de mon cheminement de vie. Puis j'avais ce chemin-là à passer aujourd'hui pour être heureux sans bien de l'air. J'ai bien prouvé au bon Dieu que j'étais plus fort que lui. Maintenant, le meilleur est à venir. Pour accepter de passer à travers tout ça, là, tu sais, toutes ces opérations-là, ces chirurgies, ces difficultés, cette médication-là et tout ça, et à vie maintenant, je veux dire, il y a aucun doute que tu voulais vraiment être un homme. Il y avait rien d'autre à faire dans ta tête, c'était dans ton cœur, dans ton âme, t'étais un homme. Alors, nous recevons Claudine Limoges, qui est non seulement la conjointe, la compagne de Patrick Véret, mais qui a aussi contribué à écrire ce magnifique livre que je vous ai montré, que je vous remonte et qu'il faut lire parce que c'est vraiment intéressant. Non seulement vous allez apprendre plein de choses sur la transsexualité femme-homme, mais en plus, c'est une très, très belle histoire que je vous recommande. Alors, Claudine, bienvenue parmi nous. Merci, bonjour. Alors, toi, tu es la compagne de Patrick depuis combien de temps? On s'est rencontrés le 22 novembre 97. On s'est rencontrés dans un bar à Saint-Sauveur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été l'étincelle? Ça a été quoi? On a échangé nos téléphones, puis on est allé prendre un café le dimanche qui a suivi. Puis je trouvais qu'il était un petit peu fendant, là. Tu sais, je trouvais qu'il avait un petit style un petit peu choquant, je dirais, là, vraiment sûr de lui, mais à la limite, là. Un peu macho. Un petit peu macho. Quand on est allé prendre un café ensemble, ben, ce que j'aimais de Patrick, il y avait beaucoup de jasette. J'aimais ça, parce que je trouvais que ça faisait différent. Mais sauf qu'à un moment donné, peut-être après 2 heures, il me dit... Bien là, j'ai quelque chose à te dire, c'est ça qui va dépendre si on va se revoir ou non, tu sais. Bien là, qu'est-ce qu'il y a? T'as-tu fait de la prison, tu sais? Là, moi, j'essayais d'imaginer les scénarios les pires, tu sais. Non, non, c'est pas ça. Tu sais, là, je l'ai regardé en voulant dire, bien, coudonc, dis-moi ce que t'as à me dire. Il me lance, j'étais une femme avant. Écoute, j'ai pas réagi, là, mais j'étais convaincue que j'étais face à un homme. Je vibrais un homme en face de moi, c'était...
c'était vraiment difficile à croire, là, tu sais. Je le croyais. Je me dis, il peut pas me raconter une histoire comme ça, tu sais. Je trouvais ça horrible, sa vie, là. Je me disais de pas être dans le bon corps, de pas être toi. Là, mais est-ce que ça t'a fait peur? Ben, c'est, ça m'a pas fait peur parce que je réalisais pas. Même l'erreur que je considère que j'ai fait, c'est que j'en ai parlé beaucoup trop vite. Tu sais, ça a pris comme un mois. Autour de toi. Oui, à ma famille. Moi, c'était comme Patrick, j'étais fière. Tu sais, c'était comme, j'étais tellement fière de tout ce qui avait passé. Moi, c'était comme le courage de cette personne-là que tu peux pas faire autrement que de pas être fière de lui, tu sais. Mais je voyais pas comme toutes les barrières, puis je voyais pas le, la fermeture d'esprit des de gens. Tout le monde. Là, je donc, tu étais quelqu'un qui avait déjà une grande ouverture d'esprit. Ben, je savais pas. Honnêtement, tu m'aurais dit ça, mettons, plus jeune qu'à 35 ans, ben, près de mes 35 ans, j'aurais rencontré puis accepté quelqu'un qui avait subi un changement de sexe. Je t'aurais dit, vraiment, t'en fumes du bon, mon homme, parce que si jamais ça va arriver... On dit que l'amour est aveugle. Non, mais vraiment, j'aurais pas pensé ça. Ça faisait pas longtemps, moi, ça faisait comme un mois que je vivais d'être toute seule. Que puis Patrick, ben, il m'a comme invité rapidement, il dit, ben, tu sais, ça va coûter la même chose, viens habiter avec moi, tu sais, puis bon. Fait que dans le fond, je me disais, après trois mois, je suis allée rester avec lui. Je me disais, vivre avec la personne, c'est la meilleure façon aussi de voir si ça fait ou ça fait pas. Puis je me disais, à 35 ans, ça ne me tente pas non plus de perdre mon temps. Tu sais. C'est ça, tout de suite, j'ai tombé en amour. Pas tout de suite, là, quand je l'ai vu tomber en amour, nécessairement. Mais oui, j'ai eu une attirance fou. Là. C'est sûr, je ne la connaissais pas. Pourquoi Claudine? Pourquoi Claudine? Qu'est-ce que Claudine avait de plus que les autres femmes que tu avais connues? Ah, écoute, elle dégageait, même au loin, je la connaissais même pas, puis elle dégageait de quelque chose de spécial. J'ai eu l'impression, même la première fois que j'ai dansé avec, c'est comme quand je me suis fermé les yeux, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est comme si je l'ai connue dans une autre vie. Je sais que je l'ai toujours aimée. Puis plus les années avancent, ça va faire 17 ans, le 22 novembre qu'on est ensemble, et plus je l'aime. C'est ça, tantôt, on n'a pas pu enregistrer ça, mais on pourrait peut-être en parler. J'ai trouvé ça très intéressant quand tu racontais que tu lui courais après dans la maison pour qu'elle exprime ce qu'elle ressentait quand elle boudait ou des choses comme ça. Donc, parle-nous-en un petit peu, c'est dans quel esprit tu faisais ça? S'il y avait eu une telle situation que, je donne un exemple, qu'elle n'a pas aimé mon comportement... Mais là, au lieu d'exprimer son insatisfaction, puis qu'elle n'aimait pas comment est-ce que j'ai réagi de telle façon, elle gardait pour elle, puis elle faisait la vaisselle, puis là, elle avait chignon raide, puis moi, c'était comme... J'étais 40 ans à me fermer la gueule, justement. Puis, à un moment donné, je me suis dit, moi, ça m'a fait du bien. Fait que, mais ça a pris 2 ans, je me suis acharné après elle. Là, quand je voyais, j'ai dit, qu'est-ce que t'as à voir, chignon raide? Viens t'asseoir ici, tabac. En tout cas, je dirais pas le mot. Puis là, c'était, regarde, là, dis ce que t'as sur le cœur. C'est quoi que t'as sur le cœur? C'est quoi qui te dérange? Ah, oh, ça y a pris du temps, mais après ça, là, même, j'ai eu l'agacé, il y a quelques mois, j'ai dit qu'aujourd'hui, il y en a plus de filtre. Autant que j'ai couru après. Ouais, il parle. Là, je pense qu'il faudrait que je coure après. Dire, ferme-la un peu. Là. Mais c'est intéressant parce que, aussi, au début du podcast, on parlait de qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme. Ouais. On pourrait dire, bon, la femme s'exprime moins que l'homme en général, mais les hommes ne s'expriment pas tant que ça non plus. Finalement, tout ce mélange de tout ton passé, le fait que tu as eu à te battre puis à t'affirmer, tu l'as projeté sur Claudine pour l'amener, elle, même si c'est une femme, à s'affirmer, à s'exprimer davantage. À extérioriser toutes ces émotions qui étaient refoulées. Ce qui me reste à améliorer, c'est au travail. Parce que, tu sais, c'est sûr, Patrick, je veux dire, les 6 premiers mois, et quand je l'ai rencontré, il y avait son travail, tout ça. Mais après 6 mois, ben, il avait été très honnête quand le fameux rendez-vous, là, qu'on est allé prendre un café ensemble, tout ça. Mais il avait été très honnête en me disant, bon, j'ai tout subi les transformations, les chirurgies.
Il me reste encore deux chirurgies à avoir, dont les prothèses testiculaires puis l'implant érection. J'ai mon pénis, j'ai mon scrotum est vide. Fait qu'il a eu sa chirurgie, mais ça n'a pas bien tourné. T'sais, après un mois, il est retourné travailler, première journée de travail, il force trop. Bon, le scrotum rouvre, finalement, c'était infection, rejet, une autre opération, bref, en tout cas. Fait que, c'est, j'ai backé pour le livre, j'ai fait la rédaction, j'ai fait la correction au meilleur de mes connaissances. Mais moi, j'ai fait 5 ans en temps plein. Elle a fait 4 ans, moi j'ai fait 10 ans en tout. 5 ans en temps partiel, mais vraiment 5 ans à temps plein. Elle n'a pas travaillé à l'extérieur du tout. Il a créé du matin jusqu'au soir. Donc, ta transformation, Patrick, c'est devenu votre entreprise familiale aussi. Ouais. Je sais que tu travailles en plus, Claudine. Oui. Mais je veux dire, c'est devenu une entreprise, finalement. Ben, c'est mon bébé. C'est notre bébé. C'est ça. À un moment donné, écoute, quand le livre français et anglais, c'était carrément comme un accouchement, là. Moi, la première fois que j'ai vu mon livre, là, je sais, faut pas que j'embarque dedans parce que je viens très émotif, là, c'était quand je l'ai pris, là, puis que je l'ai regardé, là, je suis venu tellement, c'est venu tellement me chercher au cœur, là, c'était, écoute, on a travaillé tellement fort pour ça, là. Puis à quelque part, ça a investi tout son temps et tout son argent et tout son amour. C'est parce qu'elle y croyait aussi. Puis je suis content parce que, juste qu'est-ce que c'est exprimé tantôt, j'ai rendu ce que j'avais besoin de faire. C'était ça que je voulais, aller chercher. Tu sais, que quelqu'un va chercher le cœur des gens, qui, je veux dire, d'aller chercher. J'ai mis mon cœur et mes tripes. Alors, on dit que l'amour aide à grandir, permet de grandir. Ouais. Dans votre cas, c'est tout à fait... Oui, puis je me dis, là, c'est le meilleur qui s'en vient. Je me dis, écoute, ce livre-là va se faire connaître. C'est sûr que j'ai fait ça pour m'en faire un travail, je veux faire des conférences. Et mon Dieu, mais je m'attendais jamais de vivre autant de rejet et autant de jugement. De la part de qui? La société, de la famille, la société, c'est tout le temps des comparaisons, c'est tout le temps... Mais moi, je suis un gars que je suis fait fort, par exemple. Tu sais, t'as bien beau être fait fort, mais à un moment donné, ça devient fatigant. Mais ils ont peur de quoi, la famille? Le plus difficile, c'est comme je disais tantôt, moi, j'ai fait l'erreur d'en parler trop rapidement. Fait que les gens, dans le fond, ont pas pris la peine... c'est pas pris la peine. C'est sûr que Patrick était différent. Exemple, si je regarde ma famille, tu sais, mon père, c'est quelqu'un de très diplomate, là, tu sais, il est très doux. Mes frères, tu sais, c'est des personnes sensibles. Puis Patrick, lui, il arrive, il prend, bing, 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 direct. Tu sais, c'est différent. Tu sais, il y en a pas de personne. Il est différent, mais il est plus macho que tous les hommes de la famille, de ta famille. Ben, macho, c'était vraiment une apparence, tu sais, parce que, dans le fond, dans son caractère, il n'est pas comme ça. Tu sais, quelqu'un, écoute, il est très serviable pour les femmes, tout ça, il n'est pas du tout. C'est sûr que c'est juste son apparence. C'est ça, c'est dans mon apparence, peut-être dans certaines attitudes. Mais comme elle dit, écoute, je suis un gars là, que pour une femme, là, j'ai tout le temps un plateau d'or. Moi, en fait, t'es au-dessus des stéréotypes. Oui, c'est ça. Tu sais que ça mais dis-moi, est-ce que ton comportement a beaucoup changé avec l'opération? Ah ben oui, mais oui. De quelle manière? Raconte tout ça un peu. Intérieurement. J'ai changé point de vue, émotion. Le fait d'être bien dans ma peau, ça a changé toute mon attitude. Ça a changé mon comportement. Ça n'a pas changé ma façon de penser, mais automatiquement. Oui, mais quand tu fais la thérapie d'hormones et tout ça, est-ce que ça te rend plus agressif? Oui, c'est le fait que le temps que ton système s'adapte. Mais qui est la bonne dose? Une fois aussi, que tu as la bonne là, dose, c'est ça. C'était juste le temps, la période que mon système s'est adapté. Puis c'est sûr aussi, il ne faut pas cacher la testostérone. Moi, dans mon cas, en tout cas, c'était quelques années. Puis qu'on s'entend que j'étais déjà bien hot. Mais c'est affreux, là. C'était tellement fort, là. C'était tellement fort. À un moment donné, je me disais, regarde, j'avais juste à avoir une paire de jambes, là, avec une fille en jupe, une paire de jambes, là. Puis, j'étais parti, là. Ça n'avait pas d'allure, là. Après ça, oups, ça s'est replacé, là. Parce que là, j'ai comme tout vécu en même temps. Mon adolescence, après ça, tu vis tout en même temps. Wow! Mais c'est ça, mais c'est quoi un homme alors? C'est la testostérone fait l'homme en grande partie aussi. Moi, je dirais que c'est sûr. Mais tu vois, si on regarde ça de même avant même d'avoir... Mais est-ce que l'homme est une bête sexuelle? Écoute, la sexualité, je peux pas parler en général pour les hommes, là, mais je sais bien que moi, mon comportement, ma sexualité, était pas comme une petite fille.
puis je peux te dire qu'aujourd'hui, je vais donner un exemple, Claudine, tu sais, des fois, je faisais des allusions, même si j'étais malade, elle disait, oh, vous autres, les gars, même malade, oui, écoute, faut que je sois mourant, puis ça me tombe pas. Faut que je sois carrément, puis ça, je peux pas te l'expliquer, ça a toujours été de même. Fait que c'est là que, si on veut dire la différence entre un homme et une femme, c'est sûr que la femme, ça va être différent, là. Puis comme moi, qu'aujourd'hui, quand on me dit ouais, mais toi, t'étais. Le fait que t'étais une femme, tu comprends vraiment les femmes. Non, c'est le fait que j'ai vécu avec les femmes, mais je comprends pas plus aujourd'hui, non. Si j'aurais su vraiment comment qu'une femme pense, je serais pas assis. Parce que même quand t'étais femme, d'elle. Tu pensais pas comme ouais. une mais non, femme. Mais non, parce que je serais pas assis à côté d'elle. Mais c'est sûr qu'il y a des choses. Si j'aurais pensé comme une femme, premièrement, j'aurais jamais voulu changer mon corps. Si j'aurais été une vraie femme, j'aurais pas voulu changer de sexe. Puis je m'aurais accepté que si ça aurait été ça, que j'aurais été une femme aux femmes, mais j'étais pas une femme aux femmes, puis j'étais pas une femme, tout court. Donc, pour toi, le désir de pénétrer la femme aussi est important. J'étais tout le temps en manque. Il y avait tout le temps quelque chose. Et comme avec dit, les c'est femmes. Comme s'il était tout le temps. Dans les prisons. J'avais l'impression, c'est ça que je lui disais à elle quand elle s'est mise à paniquer, à un moment donné, oh, après 28 femmes, je suis pas encore ça, Alice, à part de tous ceux que tu te rappelles pas, puis tous ceux que t'as pas nommé. Puis je lui dis, regarde, là, même si ça finit à 100 filles, là, j'avais pas le même corps, pas le même sexe. Là. J'ai dit, quand je t'ai connu, là, j'ai dit, mon pénis, là, il était flambe en neuf, puis pas de millage, là. À quelque part, là, moi, j'étais dans oui, les préliminaires. Par contre, ton pénis est aussi construit avec ton vagin. Oui, ben avec toutes les parties de mon corps, oui, mais les sensations, je pouvais pas les sentir. Il était pas là, il était pas construit, là. Les sensations sont différentes, là. Et c'est les plus belles sensations. Je savais même pas dans quoi je m'embarquais. Quand je l'ai fait faire, c'était au point, moi, autant que ma sexualité, je la sentais, c'était fort, mais j'avais tellement un dédain de moi, c'était, regarde, je m'en foutais de plus rien sentir. Mais j'ai mais eu le meilleur en même du temps, monde. T'as, oui, tout le corps peut jouir. Ah ouais, j'ai, faire jouir le corps des pieds à la tête. Oui, mais ça, je le sais. Oui, mais je peux te dire que moi, je ne l'avais pas exploré. Je l'ai exploré avec Claudine, cette situation-là. Oui, d'accord. Mais ce que je veux savoir aussi, c'est que c'est à partir d'un clitoris, d'un vagin, que ton pénis est construit. Donc, ce qui te fait jouir, ce sont les terminaisons nerveuses qu'il y a dans le clitoris. Oui, c'est ça, avec le rallongement des nouveaux nerfs. C'est ça. Ben, c'est sûr, parce que peu importe la grosseur, la longueur du micro-pénis, il coupe. Mais il garde les nerfs. Ça, qui, oui, qui mais ce que je veux savoir, mon cher Patrick... Est-ce que tu veux savoir la sensation? La sensation est entre l'homme et la femme. L'homme est joui d'organes féminins masculinisés. C'est parce comment? Que je peux pas... Je sais pas ce qu'un homme ressent. Fait que je peux pas l'expliquer. Et toi, tu serais mieux placé pour me dire de où, comment ça part, c'est quoi tu te ressens. Moi, ce que je peux te dire, moi, ça s'en va là, direct, là, comme je disais avec Claudine. Écoute, tout le désir, c'est, je peux pas t'expliquer. Ça, toute ma sensation, ça s'en va dans mon bas du corps. Puis lorsque, oups, c'est que je suis sur le bord d'atteindre la jouissance, mais j'ai l'impression que c'est pas juste mon pénis, j'ai l'impression de sentir ça même de l'intérieur de mon corps. C'est pas... presque féminin, en même c'est que, pas l'intérieur, comment dire ça? C'est comme amplifié. Qu'est-ce que je chantais avant, mais c'était fort, mais là, c'est comme bien amplifié. Mais comme il n'y a pas d'éjaculation, donc tu peux durer longtemps. Oui, il y a une jouissance qui peut durer plus longtemps à cause du nerf qui est rallongé. Mais je veux dire, c'est l'érection, du fait que l'érection, elle est hydraulique, il doit l'activer. L'érection peut rester le temps désiré, puis après ça... Le temps désiré, mais par contre, c'est ça. Et la jouissance aussi? Ben oui, la jouissance... Non, mais Patrick, il y a une limite dans ta jouissance, dans le sens que, bon, oui, il y a le temps que ça pompe puis que ça finit, tu comprends, mais c'est pas tout le temps. Ben non, c'est pas tout le temps. Ben non, mais c'est sûr que le temps que je me repose, mais je peux recommencer... T'sais, c'est sûr, là, t'sais, mais à un moment donné, t'as une sensibilité aussi, là. C'est pas un pénis en plastique que j'ai, là. Non, mais toi qui es femme, est-ce que tu en profites? Mais c'est sûr que, Patrick, l'avantage, c'est ça, c'est que, bon, tu fais que l'érection peut rester indéfiniment. Fait que c'est ça le grand avantage, ça, dans le fond. Moi, je suis avantagée dans le sens de sa connaissance, si on veut, tu sais. C'est sûr que ma sexualité, oui, a changé énormément. Comme je te dis, il a fallu que j'apprenne à me retenir. À pas atteindre ma jouissance, ça c'était assez spécial parce que je connaissais pas ça. Mais j'ai tellement découvert de belles choses avec Claudine. Est-ce que c'est le premier homme qui te fait jouir autant? Oui. Ben, ça c'est.
Comme elle dit à un de mes frères, elle dit, c'est docteur, je dirais pas le mot. Parce que moi, c'était que je voulais pas que les autres me touchent, OK? Moi, c'était, regarde, déjà, là, j'haïs assez mon sexe. C'était quand je vais pogner une fille, là, je vais savoir en maudit où m'en aller. Puis c'était, quand tu dis que tu détestais ton sexe... J'avais mal au cœur. Mal au cœur de ton organe sexuel? Oui, de quand je me touchais, là, j'avais mal au cœur, autant que j'aime la femme. Là. Mais le sexe qui était sur moi, c'était pas à moi, ça m'appartenait pas, ça, là. C'était pas à moi. Mais c'était, je me disais, je suis pogné avec ça. Ah, ben, je suis pogné avec ça. Mais je me défoulais dans la sexualité. Fait que c'est sûr que moi, c'était comme... Non, mais c'est parce qu'en surtout plus, quand je pognais des femmes qui aimaient les hommes. C'était, je les avais juste une fois, mais ils sortaient du lit tellement ébranlés, là. C'est pour ça, c'est ça que j'ai dit. Ça, c'était avant l'opération. Oui, avant l'opération. Moi, c'était, regarde, quand elle m'a te lâché, tu vas te souvenir de moi. Mais là, c'est pour ça que... Donc, t'étais lesbienne sans le vouloir avant l'opération? Sans le vouloir. En apparence. En apparence. Mmh. En apparence. Pas psychologiquement, mais aux yeux de la société et des gens. Parce que même les filles n'étaient pas à l'aise nécessairement, même dans la façon de m'y prendre pour faire l'amour. C'est ça que je donnais énormément de temps et de caresses, mais il venait autre chose comme bon, les gens, il faut qu'ils jettent le livre, il faut le savoir. Tout ce que j'explique, là, même les parties sexuelles, c'est pas choquant. J'explique la façon de m'y prendre. Et le pourquoi que ces filles-là étaient ébranlées puis qu'ils se sentaient, je l'explique justement. C'est... Parce que toi, t'avais. T'étais un hermaphrodite, en fait. T'avais ben, les deux sexes, t'avais une excroissance. C'est ça, c'était pas comme apparent tant que ça, là. T'sais, c'était avec le temps, parce que c'était plus interne qu'externe. Tu comprends? Puis c'était, c'est sûr que, bon, ou que c'était externe, le plus jeune que tu pouvais avoir, ben, les petites, les lèvres, les enfants avaient pas, les petites filles avaient pas ça, genre, tu sais. Il y avait déjà comme les lèvres, c'est comme ça, anormalement développées. Puis en vieillissant, ben, le clitoris est devenu carrément comme un micro-pénis. Carrément. Puis c'est, bon, des années aussi plus tard, quand il y a eu l'opération, qu'ils ont découvert, quand ils m'ont opéré, que bon, j'ai eu une gonade qui était descendue pour devenir une testicule, mais ça a descendu dans les intestins. Ou, en tout cas, c'était tout un mélange. De toute façon, j'explique tout ça aussi. Mais. Fait que c'est sûr que, mais pour quelqu'un qui voit pas dans tes culottes, il sait pas c'est quoi qui se passe, là. Même à cette époque-là, il pouvait même pas l'expliquer. Il y en a eu plein de cas aussi, comme moi, là. Effectivement, c'est un sujet qui est très chaud depuis 10-15 ans, parce que il y a beaucoup d'enfants qui naissent avec les deux sexes. Ouais. Et mais souvent, le médecin... Non, ben, on en parle à la télévision. Ah oui, souvent, le médecin, à 5 ans, là, les parents vont décider du sexe de l'enfant. Alors que l'enfant, puis l'enfant n'a rien à dire là-dedans. Puis finalement, souvent, il se retrouve avec le mauvais sexe. Exactement. Ah, ça, c'est épouvantable. C'est même plus jeune que ça. Même, ils vont... comme un chirurgien, Dr Ménard, hein, qui t'avait opéré, là, qui avait fait la phalloplastie, ce qu'il disait, la société veut que tu tranches. T'es un petit bon, t'es une petite fille. Il faut que ça soit fait là. Il n'attend pas que l'enfant décide. Mais je dis, c'est épouvantable. Parce que moi, j'avais écouté aussi une émission à un moment donné, là... Il avait fait plaisir à sa mère qui voulait tellement un fils, puis que, bon, justement, c'était un cas des deux sexes, puis il avait opté finalement. Fait qu'il a passé son enfance comme ça. Puis dans son cœur, c'est un film d'horreur, ça. Ouais, c'est un film d'horreur, carrément. Puis dans le fond, c'était un petit cœur de femme, là, tu sais, ce gars-là, où il vivait avec un homme. À l'inverse de moi, que je m'habille en catin. T'sais, puis que je jouais dans le rôle féminin. Mais pour toi, c'était un cauchemar. Tu t'es jamais amusé avec ça. Oh, pas en tout. Non, il n'y avait pas de plaisir. Non, parce qu'il se droguait. C'était la personne. Il se droguait au bout de... beaucoup de drogue, beaucoup de boissons, beaucoup de suicides. Mm. Vraiment, là, beaucoup de suicides, même à l'âge de 18 ans, quand tu dis, bon, même traverser, puis qu'on te fait revenir, là, tu dis, non, regarde. C'était vraiment à l'extrême. Parce que là, le corps, à un moment donné, il était rendu, là, le corps de Manon, là, 36, 24, 34, là, une catin, là. Puis là, plus tu vieillis, mon côté, ma testostérone, là, ça sortait, là, mais pas, regarde, c'est pas sur le bon sens, là. Là, ton corps ne correspond aucunement. Là, le reflet de le miroir, le reflet qui t'envoie, là, c'est un cauchemar jour après jour. Là. Puis jour après jour, il faut que tu te touches, il faut que tu vas aux toilettes, il faut que tu te laves. Mais as-tu eu des relations sexuelles avec des hommes? Oui, j'ai déjà eu une relation, mais j'avais pas de désir. Autant que j'avais des désirs avec des femmes,
que, bon, écoute, puis ça, c'est une autre affaire qui m'écœurait, que je pouvais lubrifier, je trouvais ça dégueulasse, autant que ça pouvait me fixer sur une femme, c'était une autre affaire, je trouvais ça épouvantable, je trouvais ça... Puis je me disais, mais c'est, j'avais pas le choix, c'est qu'est-ce que j'avais à vivre à ce moment-là, là, tu sais, puis... C'est intéressant, parce que moi, au début, je te disais, quand j'ai lu ton livre, je me suis ouvert carrément à la transsexualité, parce que je l'ai mieux comprise, okay. Tu sais. Mais en fait, moi, j'ai toujours pensé que un transsexuel homme-femme, femme-homme, okay. C'était quelqu'un qui s'acceptait pas vraiment. Les psychologues ont dit à Patrick, là, si tout le monde qui rentre dans mon bureau serait comme toi, ça serait tellement simple. Ouais. Mais c'est pas ça. Tu sais, il y en a là, qui ne savent même pas que ce sont un gars ou une fille. Ça. Il y a ça aussi. Non, Patrick, lui, c'est un cas qui était clair. Quand c'est comme ça que ça débute à l'enfance. Parce que, tu sais, il y a des gens qui sont rendus adultes. Ils disent, mais je sais pas comment une femme pense, je sais pas comment un gars pense. C'est-à-dire qu'ils sont rendus à l'âge adulte, puis leur sexualité n'est pas définie. Puis leur identité n'est pas définie. C'est pas donné à tout le monde. Tu sais, moi, j'ai vu un autre documentaire, là, que la personne ne le savait pas si elle était un homme ou une femme. C'est pas drôle. Elle n'était pas capable de trancher elle-même. Ouais. Fait que comment voulez-vous que le psychologue le sache, là, ou le psychiatre, là, tu sais? Puis elle était malheureuse comme ça. Ben, c'était androgyne, totalement androgyne. Mais est-ce qu'une personne androgyne pourrait être heureuse si la société ne la jugeait pas, finalement? C'est ça. Parce que le problème, c'est ça. Toute différence, quelle qu'elle soit, la société a de la difficulté avec ça. Puis je me dis, mon Dieu, si les gens feraient juste dire, apprendre, juste vivre et laisser vivre. Laisse vivre la personne telle qu'elle est, accepte-les avec son genre. Parce que, pour moi, est-ce que la société n'aurait pas peur de ce qui est différent? Est-ce que ça remet les gens en question? Ben oui, parce que ça les remet en question d'eux autres, même des choses qu'ils n'ont même pas souvent explorées. Puis pourquoi c'est bien plus facile d'arriver, sauter, puis juger quelqu'un qu'essayer de le comprendre. Moi, comme je dis souvent aux étudiants, au lieu de chercher puis de tomber sur la tête de quelqu'un, essayez de trouver juste une qualité. Acharnez-vous sur cette qualité-là, vous allez découvrir la personne bien autrement. Vous allez la visionner, la voir, la ressentir autrement. Puis c'est ça qui est dommage, les gens, c'est juste d'écraser l'autre ou d'envier l'autre. C'est pour ça que je me dis, mon Dieu, c'est d'être capable de s'extérioriser, mais d'apprendre à respecter l'autre. Même s'il ne s'habille pas pareil comme toi, même s'il n'a pas le même style que toi. On dit qu'il y a deux émotions, tout le reste, c'est des sentiments. Ouais. Les deux émotions, c'est l'amour et la peur. Ouais. Puis tous les sentiments découlent de ça, puis tout ça, ça peut se mélanger. Hein. Ouais. Donc, on vit beaucoup des sentiments contradictoires, mixed emotions en anglais. Et notre société est beaucoup basée sur les peurs aussi, des peurs de toutes sortes. Ça, c'en est une, mais il y en a plein d'autres. Et au lieu d'être basée plus sur l'amour, comme de l'amour de la différence, de l'amour des autres et de l'amour de la différence et de l'amour de soi aussi. Oui, parce que tu vois... À la base. Parce que tu vois, moi, quand j'étais jeune... J'étais toujours porté les gens qui étaient marginaux. C'est sûr que quand j'ai un de mes amis, comme je t'expliquais tantôt, Yves, qui est gay, écoute, je l'aime. C'est le seul qui est resté dans mon passé, tu sais. Puis il disait, il m'avait dit ça même l'année passée. Il dit, toi, c'est pas compliqué, Pat, là. Il dit, tous ceux qui étaient à part, s'ils étaient laids, s'ils étaient gros, s'ils étaient, on va dire, noirs, aussitôt qu'ils étaient marginaux, là, t'étais là. Mais c'est sûr. Le fait que, moi, on disait que le fait que j'étais pas capable de m'apporter de l'aide à moi-même, d'être capable de m'aider, le fait d'apporter, de m'accepter, c'est ça. Mais j'étais bien, moi, les gens qui étaient rejetés, mais c'est sûr que moi, j'étais à côté, parce que je l'étais rejeté. Puis, je me rends compte qu'aujourd'hui, ça n'a pas changé, ça non plus. Les différences. Je suis bien avec les différences, moi. Claudine, c'est un petit cœur. Non, mais Claudine, écoute. C'est un grand cœur. Oui, c'est ça que je voulais dire. Mais tu sais, oui, t'es bien avec les différences. Mais souvent, les gens qui sont différents sont moins ennuyants que les gens ordinaires. Ben oui, exactement. On a plus de fun. Mais il y a des peurs beaucoup dans la différence.
Tu sais, comme si tu vois, tu sais, je veux dire, on peut en dire de toutes les sortes, là, mais une personne qui est très différente de toi, qui a pas la même couleur de peau, qui est transsexuelle, qui a une allure un peu bum, ou, tu sais, je veux dire, on a peur de quoi? De se faire attaquer? On a peur de quoi, là, tu sais? Ben oui, tu sais, c'est comme moi, il y en a beaucoup, il y a des émissions, des gens, même des groupes justement de transsexuels qui m'ont comme mis de côté parce que je m'exprime pas. Ils disent que je devais m'exprimer comme eux, de me présenter comme transsexuel. Je me présente jamais comme transsexuel. J'étais un homme. Ma transition est terminée. Pas que j'ai honte. Si j'avais honte, j'aurais pas sorti ce livre-là. La logique, là. Ouais, fait que comme je dis, j'ai pas à me présenter. Quand je me présente en conférence, je suis auteur, compte d'auteur, conférencier. Une fois que le titre est donné, et surtout le long combat de Manon de Ville-Patrick, ça le dit. Mais je connais pas personne qui se présente à dire ben moi, bonjour, je me présente, je suis homosexuel, bonjour, je me présente, je suis bisexuel, bonjour, je me présente, je suis transsexuel. T'es Patrick. Je suis Patrick. Sauf que ton passé te suit. Oui, exactement. Donc il y a une contradiction intéressante là aussi. Oui. On vit tous des contradictions. Oui, exactement. Ceci dit. C'est pour ça ma contradiction, elle n'est pas vraiment une contradiction. C'est ce sens que oui. Disons ta complexité. C'est ça, ma complexité, parce que c'est pas une contradiction. Oui, parce que juste aller à l'hôpital, là, puis il est étiqueté, lui-là. Puis, là, encore là. Aujourd'hui, puis ça va me suivre jusqu'à la fin de mes jours. Écoute, je suis obligé de me battre parce que les infirmières veulent voir dans mes culottes, là. C'est pas drôle, là. Elle l'a vécu, elle l'a vu, elle, là. À un moment donné, là, c'était comme là chez moi. À un moment donné, j'avais envie de sortir le chapeau, là, puis de dire, mettez du change, là. Ça venait de tout bord, de tous côtés, là. Tu sais, fait que t'as l'impression, je me disais, une fois opéré, hey, la vie, t'in... ça lâche jamais. Bon, vous avez beaucoup investi tous les deux dans ce livre. Vous êtes en train de le promouvoir. Vous aimeriez ça. Que ça repaye, que ça repaye tous les frais énormes que vous avez encouru. Mais aussi, je sais aussi que toi, tu aimerais, Patrick, faire des conférences davantage et tout ça. J'aimerais que tu nous en parles, mais tout à l'heure, vous me disiez que vous connaissiez un transsexuel qui voulait, ou je sais pas s'il était déjà transsexuel, mais qui est en transition. Et c'était tellement pénible pour lui qu'il voulait se suicider. Ben, et en lisant ton livre, votre livre, devrais-je dire, ça lui a ouvert des portes. Mais ça lui a donné des ailes. Il a pu réussir à ouvrir la porte de son cœur, puis briser la loi du silence, puis surtout mettre un point sur qu'est-ce qu'il vivait, puis de plus se sentir seul au monde, parce que, bon, jusqu'à temps, t'en entends parler, c'est toute cette problématique-là. On se croit unique dans notre situation qu'on vit, même on se croit à part, même dans mon cas, moi je pensais même quand j'étais petit que je venais d'une autre planète, tu viens, tu sais plus quoi penser, là. T'étais tellement à part. Puis moi, autant que j'ai pas eu de référence, mais ce jeune homme-là, c'est sûr que le soir, quand il m'est arrivé, il dit, si je suis ici ce soir, il dit, c'est grâce à la lecture de ton livre, parce que je serais mort. C'est venu me chercher. C'est une belle récompense. C'est une belle récompense. Tu dis, oui, on a investi là, beaucoup, là, mais... C'est ça, puis là, j'ai vu l'évolution. C'est une vie, là, c'est grandiose. Il y a un autre petit gars, c'était la même chose. Petit gars de Québec, il dit, regarde, il dit, c'est ma table de chevet, puis il dit, c'est mon livre de chevet, puis il dit, il est souligné partout. Puis il dit, quand ça va pas bien une journée, il dit, je m'envoie telle page, tel chapitre, puis il dit, oups, il dit, tu viens de refaire ma journée. Il dit, tu m'accompagnes tout le temps. C'est comme, wow! Tu sais, une de ses amies, elle a déclaré qu'est-ce qu'elle a eu sexuel, bon, qu'elle a vécu des... Moi, j'ai vécu une inceste. Bon, un vécu, ça aussi, ça fait... Il y en a beaucoup. Ça l'a motivé à briser la loi du silence. Ça l'a motivé, puis bon, un autre... Oui, dame, parce que l'inceste, c'est aussi un aspect important du livre. Oui, puis c'est des moments, en plus, que t'as déjà pas le bon corps, pas le bon sexe. Comme ma belle-mère avait déjà dit à Claudine, mais tu penses pas que Patrick a changé de sexe par rapport que, bon, qu'il a subi l'inceste ou des manipulations. Parce que c'est moi, ce que j'ai adoré dans l'histoire d'inceste, c'est que c'était quoi, dans les années 60, et l'inceste, ça existait. Ben oui. Mais... Bon, puis c'était une époque encore catholique, là, dans votre famille, en tout cas. C'était la loi du silence. Ça existait, mais on n'en parlait pas. Non.
C'était tabou. Non, ben oui, non, comme sa mère le disait, ben c'est pas de la faute de tel mon oncle, c'est la faute de la boisson. Là, elle disait, non, parce qu'il va les tuer, là. Puis c'est pas de leur faute, là. Ils savent pas qu'est-ce qu'ils font, là. Ils sont en boisson, là. Tu vois ce que la boisson fait, là. Puis c'est pas de leur faute. T'es un enfant, là. Faut que tu comprennes que, regarde, là, ça a aucun sens, là. Puis ça, c'est quelque chose. Non, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Comme ceux qui vivent l'intimidation. Je l'ai vécu, moi aussi, à l'école, l'intimidation, au bout, à cause de ma différence. Fait qu'aujourd'hui, c'est ça qui vient me chercher. C'est pas que c'est, ah, oh, pauvre de moi, j'ai vécu ça. Oui, je l'ai eu cette période-là. Mais je sais ce que ces jeunes-là vivent. Puis je me dis, mon Dieu. Moi, je suis né dans les années 60, là. C'est quoi cette affaire-là qu'on est rendu en 2014, puis il n'y a pas plus d'évolution? On est en train de régresser au lieu d'évoluer. Il faut arrêter. Dans toutes les nationalités, justement, là. Peu importe. Mais c'est intéressant parce que aussi, ce que ça nous dit, c'est que le sexe, ça reste un tabou, même après la révolution sexuelle des années 60-70. Ben même si au Québec, la religion catholique a perdu beaucoup, beaucoup de fidèles, reste que toutes les vieilles, la vieille morale est encore présente dans les esprits, sans même que les gens s'en rendent compte. Alors, bon, c'est sûr qu'on parle plus d'inceste de nos jours, mais ça reste quand même un tabou. Il ne faut pas se cacher non plus. On cache ces choses-là. C'est comme une honte. Les victimes n'ont pas d'aide. Puis quand tu dis que c'est ces maniaques-là qui détruisent une vie, qui ont toute l'aide, le soutien moral, le soutien dans tous les domaines, et que les victimes sont laissées à eux-mêmes, c'est parce que c'est pas juste qu'ils viennent te salir, c'est qu'ils te volent une partie de ton âme. C'est qu'ils t'ont marqué au fer rouge. Mais ils te volent ton enfance. Ils te volent ton enfance. Moi, j'ai pas eu d'enfance, j'ai pas eu d'adolescence, puis une partie de mon adulte. Puis c'est à peine, comme je disais, je commence juste même à vivre depuis quelques mois. Puis je veux pas que les gens disent, regarde, ben, il y a celui son changement de sexe, puis il est pas plus heureux. C'est que, regarde, c'est pas ça du tout. J'ai été malade. Pas parce que j'étais pas plus heureux. J'ai été des années malade. Puis ça n'a pas rapport avec mon changement de sexe. Mon père était pathologiste, puis il disait toujours, la vie est une longue maladie. Ouais. Écoutez, c'est tellement intéressant la conversation avec vous. On pourrait en parler pendant des heures, mais je pense qu'on a beaucoup de bon matériel pour intéresser nos auditeurs, mais j'aimerais qu'on prenne le temps de faire une petite annonce pour ce livre-là que je trouve assez essentiel. Ouais. Et c'est « Changer de sexe pour vivre enfin ». Et j'adore le long combat de Manon devenu Patrick. Alors, La version anglaise. Comment est-ce qu'on peut se procurer la version française, la version anglaise? Sur mon site Internet. Puis je l'ai aussi en version électronique, c'est tout nouveau. Seulement depuis 2 jours. Fait que tout ça, c'est l'achat en ligne qui se fait avec PayPal. Les gens, c'est tout est très sécuritaire. Mais à quelle adresse il faut aller sur... www.patrickverret.com. www.patrickverret.com. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter comme mot de la fin dans tout ce qu'on a dit? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous... J'aimerais rajouter que... Si d'être toi-même, c'est de tout le temps écraser l'autre, c'est parce que t'as un chemin à faire avec toi. Moi, c'est juste de dire aux gens, vive et laissez vivre sur les différences. Pas juste sur le changement de sexe, peu importe sa couleur de peau, peu importe sa croyance, peu importe son orientation. Moi, le mot de la fin, c'est juste dire, vive et laissez vivre. Puis aussi que, comme c'était mentionné plus tôt, que dans toutes les nationalités, la normalité, c'est qu'il y ait des différences. Ouais. Il y en a dans les petites bébites, il y en a dans les animaux, puis il y en a dans les êtres humains. C'est aussi. Ça. On peut pas tous être pareils. Sur ces sages paroles, je vais inviter les téléspectateurs ou les web spectateurs à réfléchir. Alors, je vous remercie infiniment. Paix et amour pour tout le monde. Oui, peace and love.